Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose un petit test à l'extérieur. Vous avez remarqué, j'ai mon masque parce que je suis à Paris et c'est obligatoire maintenant. Bref, je vous propose une petite review, une petite prise en main, un petit test même, parce que je vais l'avoir pour la journée, d'un vélo, pas un vélo qui fait rêver, mais un vélo qui se vend. Est-ce que vous savez quel est le vélo le plus vendu en France cette année et même l'année dernière pour la version 2019? Between Elops 520, le vélo de Decathlon, le best-seller de Decathlon, que je vais tester aujourd'hui à Paris. Alors je profite du fait qu'on soit en plein mois d'août, qu'il n'y ait quasiment qu'une voiture, vous voyez, il y a plus de vélos que de voitures, et donc je serai un vélo de plus. Donc j'ai troqué mon vélo de route pour un vélo de ville. Commençons par exemple par les vitesses. Donc elles sont au nombre de 6. Si vous ne savez pas compter à l'arrière, vous pourrez compter ici. C'est écrit en toutes lettres. Donc on sait à tout moment sur quelle vitesse on est. Donc c'est assez visible. Elle passe plutôt bien. Le vélo est bien réglé à ce niveau-là. Il est tout neuf, je l'ai acheté de Decathlon et j'ai pas touché. Je suis ressorti et j'ai fait cette vidéo directe. Donc du coup. Les vitesses passent assez bien, c'est assez réactif, l'amplitude n'est pas folle, hein. On le voit sur la taille des pignons, c'est-à-dire l'amplitude, c'est-à-dire la différence entre le plus petit pignon et le plus grand n'est pas énorme, donc c'est-à-dire que quand vous allez changer de vitesse, ça va être très progressif, vous n'allez pas avoir un saut en mode « Ah, cette vitesse est trop facile, je vais passer la plus dure » et puis « Ah, parce que si c'est trop dur ». Non, c'est très progressif, ça va monter très progressivement. En revanche, l'inconvénient, c'est que vous n'avez pas une amplitude énorme. Donc, la différence entre la plus petite vitesse et la plus grande n'est pas très importante. Donc, vous allez être limité dans les grosses montées. D'autant plus que le vélo est assez lourd quand même. J'ai plus le poids en tête, mais je le mettrai sur la vidéo. Le vélo est quand même assez lourd. Il doit faire une quinzaine de kilos, donc c'est quand même pas tout léger. C'est un poids classique pour un vélo de ville. Mais voilà, donc dans l'idée, les vitesses ça va, mais c'est pas fou. Après, beaucoup de modèles à ce prix-là ont généralement une vitesse ou trois vitesses. Ici, on en a six. On a un seul plateau, donc pas de dérailleur au niveau du plateau. Donc il n'y a pas de souci, c'est-à-dire que vous avez juste des vitesses ici. De vitesse là, c'est plus simple et du coup ça suffit à peu près, on va dire, pour un usage de ville. Faut garder à l'esprit que c'est un vélo de ville. Évidemment, si vous allez voyager, faire de la montagne, etc., ça va peut-être être un peu limite, mais pour du vélo de ville sur quelques kilomètres, que ça soit 2, 4, 10, même 20 par trajet, ça suffit si vous n'avez pas de trop gros dénivelé. Donc les freins, je m'attendais pas à quelque chose d'excellent parce que c'est des freins V-brake et que j'aime pas du tout. Les freins V-brake, généralement, c'est difficile à régler. En plus de ça, même une fois que c'est bien réglé, ça se dérègle rapidement au fur et à mesure des kilomètres et des freinages. Et dans tous les cas, même quand c'est bien réglé, ça freine pas super bien. Disons que dans l'idée, d'appuyer sur le poignet, évidemment, ça va resserrer. Alors c'est mieux si je le fais avec le frein, évidemment. Ça va resserrer donc cette mâchoire. Et donc les patins vont venir serrer la jante et donc la freiner. Voilà, ça c'est pour la théorie. En pratique, on le voit ici par exemple. Donc là, c'est un vélo qui est tout neuf, vendu par Decathlon. Enfin, moi je l'ai emprunté, mais il est vendu en l'état par Decathlon. Et donc normalement, il est bien réglé. Et sauf que là, vous voyez, quand je serre le frein, là je suis à fond. Je freine au plus fort possible. Je ne peux pas freiner plus sur l'avant. En fait, il y a une seule des deux mâchoires qui bouge. L'autre ne bouge pas, ou à peine. Ce qui veut dire que soit celle-là est trop éloignée de la roue, et c'est pour ça qu'elle a beaucoup de trajet à faire pour venir se coller à la jante, soit celle-là est trop proche, ce qui veut dire que soit elle frotte, bon c'est pas le cas, mais ça veut dire que même quand on appuie à fond, et ben celle-là ne rejoint pas la jante. Idéalement, il faudrait que ça soit symétrique et que les deux fassent le même trajet et les deux viennent pincer avec la même force la jante. Là c'est pas le cas, ce qui fait que dès que je freine, dans tous les cas, dès qu'on freine avec ce vélo, et je pense que c'est le cas pour tous les vélos de ville avec ce type de frein, ça couvre pas du tout que les Elops, mais globalement tous les vélos
pas chères, qui n'ont pas de frein à disque, globalement c'est des freins V-brake, et tous les V-brake quand vous freinez ça fait un bruit, à peu près, mais c'est pas top. Et encore là on est partout sec, c'est pas parce que j'ai de l'eau, magnifique paysage de passage, c'est pas parce que j'ai de l'eau à côté de moi que j'ai roulé dans de l'eau justement, on est partant sec, on est en plein mois d'août à Paris. Voilà, les freins sont pas ouf. Alors là, bon, c'est un souci de réglage, on peut les régler parce que les freins arrière sont un peu mieux. Mais même les freins arrière, qui d'ailleurs ont la particularité d'être placés en bas, hein, on les voit ici, ça gêne pas trop. Hein. Moi j'ai un vélo avec les freins placés vers le bas ici, ça gêne pas trop. Tout le monde dit ah oui, mais c'est super salissant, c'est juste à côté de la route, de l'eau, etc. En fait, non, juste ça salit pas plus que l'autre qui est ici, donc c'est pas du tout un problème, c'est plus pour l'esthétique, pour pas rajouter un truc ici, ils l'ont mis en bas, voilà, ça, mais ça gêne pas plus que ça. Donc les freins arrière sont un peu mieux réglés, ils freinent mieux, enfin en fait ils font pas de bruit, donc par rapport aux freins avant, mais il n'empêche qu'ils freinent pas super bien quand même. Donc voilà, c'est des freins V-brake, mais ça touche pas du tout que ce Elops, c'est tous les vélos d'entrée de gamme qui n'ont pas de frein à disque. Voilà, pour résumer. Donc ici on voit le plateau. D'ailleurs ça manque, je pense, de graisse tout ça. Ça m'a l'air assez. Ouais, il y en a un tout petit peu, mais alors c'est vraiment. Bon. Je sais pas s'ils ont de la graisse parfaitement transparente ou c'est parce que c'est tout propre, tout neuf, mais j'ai l'impression que ça manque quand même un petit peu de graisse là-dessus. Bref. Les pneus sont franchement pas mal, bon en blanc, c'est chacun, enfin voilà, les goûts, les couleurs, moi je trouve que c'est sympa ce mélange de blanc et de bleu, voilà, donc c'est les couleurs 2020 je crois, hein. Globalement c'est un vélo qui évolue assez peu avec le temps, c'est surtout en fait les couleurs qui vont évoluer d'année en année, quelques composants mineurs qui changent, mais sinon voilà. Donc bref, les pneus sont assez confortables en fait. Donc là, ils sont gonflés aux bonnes valeurs. Hein. On le voit voilà, ici, hein, donc les valeurs qu'il faut respecter. Voilà. Comme sur tous les pneus, hein, gonflez vos pneus aux bonnes pressions, sinon vous risquez de crever. On ne le dira jamais assez. Bref, donc là, les pneus sont bien gonflés. Ils sont confortables en fait sur les pavés, sur la descente de trottoir, sur la montée de trottoir, etc. Les petits chocs comme ça. C'est assez confortable, il faut le reconnaître. Alors petit détail, là c'est un support pour mettre mon téléphone. Voilà, j'ai mis le truc ici. C'est pas livré de base avec le vélo. Hein. Voilà, une sonnette, bon bah rien à redire. Hein. Classique, on vous entendra bien avec ça. Les vitesses on en a déjà parlé, les freins on en a parlé. Donc oui, assez confortable ces pneus. Et pour rester sur le confort, la selle est elle-même super confortable. Alors évidemment, moi je suis habitué à des selles de vélo de route ou de VTT plus sport, etc. Donc forcément là c'est beaucoup plus confortable. Mais il faut reconnaître qu'elle est sympa, elle fait assez quali. J'aime pas trop la couleur, le marron c'est vraiment pas mon truc. Mais les goûts, les couleurs, voilà. En plus c'est que le bleu, je trouve ça moche, mais bref. Bon, de toute façon, c'est un truc que vous pouvez changer facilement, hein. Ça se dévisse là, vous pouvez mettre autre chose et voilà. Mais bref, de base, elle est confortable. Donc après, elle vous plaît pas, mais elle est plutôt confortable. Voilà, elle est assez épaisse, assez sympa. Le porte-bagages, bah, rien à redire, il bouge pas, il fait pas un bruit, il se fixe ici, ici et ici. Pareil pour l'autre côté, donc c'est quand même quelque chose de vraiment solide, et là il tient le garde-boue, et le garde-boue il tient là, donc globalement ça bouge pas, et à part des chocs, ça va pas, bon si ça se dévisse, je veux dire vous remplacez la vis et voilà, mais normalement ça devrait pas faire de bruit, parce que ce qui est chiant avec les vélos c'est parfois vous roulez et vous avez un vieux bruit, vous savez pas d'où ça vient, dès que vous passez une toute, parfois c'est dès que vous roulez, parfois c'est dès que vous pédalez, parfois c'est dès que vous passez une toute petite aspérité au sol, comme sur un sol comme ça, et ben là c'est pas le cas, bon évidemment il est neuf donc vous allez me dire c'est normal, mais on peut voir que la construction est propre, c'est à dire qu'on a beaucoup de porte-bagages qui vont tenir avec une vis ici, une vis ici, et pareil de l'autre côté. Et ben là, on a un renfort ici. C'est ce renfort-là qui n'est pas systématique, hein, on va dire. Souvent, on a en fait une forme comme ça qui vient là, une forme comme ça qui vient là, ou alors les deux ici, mais rien là. Enfin bref, là, on a vraiment 5 endroits où c'est vissé solidement sur le cadre. En dehors de ça, on a une dynamo. Voilà, donc là, classique, hein.
Elle est facile à mettre et à enlever, hein, voilà. Après, c'est le genre de périphérique qui peut casser, par contre, hein, c'est pas le truc le plus solide, etc. Mais dans l'état, c'est assez facile. Il faut appuyer vers le bas pour l'enclencher. Elle va automatiquement frotter ici. Et pour l'enlever, vous la retirez, elle va automatiquement remonter. Un petit détail sympa, c'est ce ressort ici qui empêche, en fait, si vous avez du poids, que le guidon tourne comme ça et que le vélo finisse par tomber. Là, vous avez ce ressort qui maintient votre guidon à peu près toujours droit. Et ça vous permet aussi de rouler sans avoir les mains sur le guidon. C'est pas forcément recommandé, mais en tout cas, sachez que si jamais vous le faites, pour une raison ou pour une autre, restez prudent, mais dans tous les cas, le guidon restera bien droit. Parce qu'il y a ce ressort qui l'empêche de tourner. Parce que dès qu'on tourne, en fait, on va venir allonger ce ressort. Donc son réflexe à lui, hop, c'est de revenir comme ça. Voilà. La béquille est pas mal, mais un peu trop longue à mon goût. C'est-à-dire que une fois qu'elle est dépliée, le vélo est quasiment droit. Donc là, un coup de vent ou un tout petit mouvement sur le côté. Et le vélo. Ben, genre vraiment quoi. Là, c'est vraiment si je fais à peine ça. Hop, voilà, le vélo tombe. Alors qu'avec une béquille à peine plus courte, le vélo sera un peu plus comme ça. Et du coup, il y a moins de risque de devoir le remettre droit. Voilà. Un point maintenant, c'est un vélo de ville. Et pour moi, un des critères importants des vélos de ville, c'est la résistance au vol. Donc, un point important, c'est que ce vélo n'est pas équipé de. On va dire d'écrous qui empêchent le vol. Donc là, par exemple, on voit que c'est un écrou, tout ce qu'il y a de plus standard. J'ai pas la norme en tête, mais en tout cas, voilà, c'est des écrous qu'on retrouve un peu partout, hein. Ici, donc ça va se dévisser avec une clé classique. Encore une fois, c'est un écrou. Pareil à l'avant. Voilà. Donc globalement, sur les périphériques qui sont volés fréquemment, à savoir les roues, la selle, etc., on n'a pas de sécurisation. Donc il va falloir l'attacher proprement. Et correctement, etc. Avec plusieurs antivols. Même si c'est un vélo pas cher, moi je vous recommande pour un vélo comme celui-ci à 260 euros, je vous recommande 40 euros d'antivol. Avec un antivol à 40 euros, voire même un peu moins, peut-être 30, 35, vous allez pouvoir attacher efficacement vos roues, votre selle. Et évidemment le cadre, avec un U. Alors, conclusion, les pavés ça le fait, les freins ça le fait pas. C'est pas méga efficace à la relance au démarrage sur bon, même sur du plat en fait. C'est pas méga efficace quoi. Donc pensez vraiment bien changer vos vitesses, à repasser sur la vitesse la plus facile pour redémarrer. En fait, en montée, on va galérer. Excusez-moi de vous déranger. Oui. Est-ce que vous êtes satisfaite de votre vélo? Parce que je crois qu'on a le même. Et en fait, moi, je suis en train de le tester de Decathlon. Je l'ai pas encore acheté. Ah, d'accord. Est-ce que vous êtes contente de votre vélo ou ouais, pas? Enfin, c'est pas la solidité incarnée, hein, parce ouais, que bien sûr. Là, nous, on a Ah. plusieurs avec le petit truc. D'accord. Les pneus sont pas sont pas top. Extrêmement top, je trouve. Mais sinon parce qu'on a eu globalement. des crevaisons, Et mais les. globalement je trouve que c'est un bon basique. Et les freins, les vitesses, ça va? Les freins s'usent très vite. Les freins s'usent très vite, Ouais, 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 d'accord. ouais. Donc au bout d'un Nous moment on est censé être. ça freine moins. Ouais, celle-là elle est un peu. Ouais, ok. C'est Donc ce que voilà. je craignais. Ok, mais Mais pour le prix, bon, c'est pas pour mal le quoi. prix, ouais, c'est pas mal. Forcément, Non. ouais. Ok, Je super. sais pas. Très bien, bah, merci, merci Merci. beaucoup. Merci, bonne journée, au revoir.